séparation, hein, qu'on fait le sermon ce matin, sans qu'il y ait de séparation entre l'âme et le corps, parce que c'est une dormition chez les orthodoxes, mais la réalité théologale et théologique n'est pas tout à fait la même chez nos frères d'orthodoxes. Comment ça s'est passé? En plein jour, en plein. Ceux qui ont marché, ceux qui ont prié, ceux qui ont un peu prié et sont ouverts. Vous avez compris? On a tous reçu une grâce. Pas simplement parce que c'est notre 32e marche des petits saints. J'en ai pas le prix, monsieur. Dans les litanies de la Sainte Vierge, c'est un peu vieillot, on les dit plus beaucoup. Hein. On dit qu'elle est porte du ciel. Moi, j'ai une autre image, plus personnelle. Elle a le pied dans la porte. Dans un oui à Dieu, ouais. Certaines de nos prières ressemblent à des contrats d'assurance. On ne les a pas lus jusqu'au bout, le plus important, c'est un tout petit. On met des conditions, on met des avenants à l'amour du bon Dieu. Si tu fais ça, on verra si peut-être que... Allez, que Marie nous aide à avoir un cœur un peu plus simple, un cœur un peu plus aimant, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire un aimant. Oui, des genoux idiots, j'en fais pas mal. Vous verrez ça. Dans mon habitude. Que Notre-Dame du Oui nous aide à ce que dans notre réponse au Christ, à son Fils, il n'y ait plus de mais, il n'y ait plus de peut-être, il n'y ait plus de on verra, mañana, comme les Espagnols. Que Notre-Dame du Oui nous aide à redire chaque jour notre oui à son Fils. Amen. Réjouis-toi, Vierge Marie, dans la gloire du ciel. Réjouis-toi. Thank you.
bonne journée à tout le monde.